Tout le monde, c'est Cassilia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est ma morning routine. Donc, c'est vraiment une vidéo que vous m'avez pas mal demandé et j'ai décidé enfin de vous la faire. Je m'excuse encore pour mon absence. Je vous expliquerai ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc, on commence tout de suite. Petit lever. Donc, généralement, quand moi je vais en cours, d'habitude, je me lève à 6h. Mais bon, là, c'est un peu les vacances, vacances-stage. Donc, je me lève vers 7h30. Je me dirige directement, par contre, dans la salle de bain sur ce coup-là et j'aime énormément me laver les cheveux le matin pour cet aspect de fraîcheur, surtout qu'il fait chaud. Bon, ça, c'est juste un petit détail. Donc, j'utilise différents produits et le premier, donc, c'est 4 produits de chez Schwarzkopf. Donc déjà j'utilise le shampoing, j'utilise ensuite le conditionneur, puis aussi ensuite d'autres produits. Mais bon, les deux principaux que j'utilise, je préfère vous en parler, ça va être le shampoing et ensuite le conditionneur. Bon, c'est vraiment deux shampoings que je vous conseille, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ensuite, j'utilise la brosse de chez Nivea. Donc, c'est une brosse par rotation, mais à vibration. Donc, c'est beaucoup moins agressif au niveau du visage. Et j'utilise le petit Marseillais abricot et noisette. Bon là, en l'occurrence, j'avais mis énormément de buée sur mon objectif. Petit moment drôle, c'est les aléas de YouTube. Et ensuite, je vais déjeuner de l'Activia. Ne reproduisez pas la scène que je suis en train de faire. C'est très dangereux. Je ne sais pas ce que je fais. C'est un bordel. Et je rajoute donc des graines. J'avais été à l'époque, vous savez, en partenariat avec Foodspring. Là, j'ai pas occasion de vous en parler ou quoi. Mais vraiment, ça a été quelque chose que j'avais apprécié. Là, donc, c'est du muesli. Oui, du muesli. Et j'adore en mettre sur mon yaourt. Je trouve ça super bon. Ensuite, on prend les brioches tartines. Les tartines de pain brioché de chez Pasquier, c'est les meilleurs. La Motte Beurre Président, c'est vraiment le meilleur beurre. Bon, sinon c'est un peu compliqué à appliquer, je casse tout. Je mange n'importe comment. Et ensuite, je pars directement me maquiller. Maquillage très simple. La seule chose qui a été changée dans ma routine, c'est le mascara de chez Yves Saint Laurent. Vraiment, pour le coup, je trouve qu'il vaut vraiment son prix. Le packaging est super sympa. Bon, on est sur Yves Saint Laurent, bien évidemment. Et la brosse, elle est recourbée. Donc, je trouve ça super cool. Donc, quand j'ai fini de me maquiller, je vais me brosser les dents. C'est vraiment l'étape dernière que je fais. Je le fais pas avant le maquillage, je le fais après. Je sais que c'est pas forcément bien, mais bon, je fais une petite retouche au cas où si j'ai besoin. Mais j'ai besoin d'avoir la laine fraîche vraiment juste avant de partir au taf. En l'occurrence, bon, là, mon stage. Et du coup, après... Donc, j'avais opté pour une petite chemise bleue de chez Zara, un legging simili cuir de chez H&M et mes petites Michael Kors et mon petit sac Michael Kors. Voilà. Et voilà, du coup je décale, je vous fais plein de bisous, j'espère que cette morning routine vous aura plu. Merci encore d'être autant nombreux et actifs sur mes réseaux sociaux et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que j'arrive très prochainement sur Instagram TV et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao ciao!